où il est né il y a plus de 80 ans, que le grand Sobeilo monte pour la dernière fois sur scène. Un spectacle où tout le monde en prend pour son grade. Des religieux aux hommes politiques qui ont traversé sa vie. L'une de ses cibles favorites, feu le colonel président Lansana Conté, qui l'imite lors d'un voyage officiel aux États-Unis, incapable de répondre à une question en français. Il avait quatre doigts et un mégot. Quand il est allé aux États-Unis, il a interviewé monsieur le président, après votre passage à la maison blanche, il devait se rendre à Cleveland. Il a demandé à Jacques Dijon, il n'a rien. Cette 7e édition du Festival des Arts et du Rire de l'Abbé lui est dédiée. À lui, le plus grand humoriste guinéen qui part à la retraite sans le sou. Je suis sur scène depuis le 30 juin 1961. Je vais laisser les autres. Super. L'organisateur du festival, le comédien Mamadou Lamine Diallo, est aussi aujourd'hui conseiller au CNT. Il s'est engagé à réunir les plus de 400 000 francs guinéens nécessaires à la construction d'une maison à l'abbé pour les vieux jours.